Veuillez vous asseoir, messieurs. Que pour, monsieur. Êtes-vous Baba Garçon? Monsieur Song, j'ai sous mes yeux une copie de votre inculpation, attestant que monsieur Baba Garçon a abattu Nyohan Ndiaye, Ngor Ndiaye, et a tenté d'abattre Abdouba, officier de police, troublant ainsi la paix et la sécurité de l'université à l'Union de Bombay. Comprenez-vous les accusations portées contre vous? Comment comptez-vous défendre alors? Défense. Prétend l'aliénation mentale passagère, l'État propose que ses propres médecins examinent l'accusé. D'accord. Et s'il y a une demande de caution, l'État s'y oppose formellement. Il me semble que monsieur a oublié ses cours de droit. Il n'aurait pas encore formulé une telle demande. Et le procureur ne peut se poser à une requête lorsqu'elle est déposée. C'est comme un ancien ingénieur juridique, monsieur. Monsieur le procureur, vous pouvez commencer. Merci, monsieur le président. Veuillez lever votre main droite, s'il vous plaît. Vous jurez de dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Comment allez-vous? Bien, merci. Où étiez-vous lorsque votre fils a été tué? Chut! Je viens de l'autre côté de la porte. Veuillez nous dire quel âge avait votre fils quand il a été tué? Vingt-trois ans, vous dites? Pas d'autres questions. Le titulaire est mort à 23 ans, madame. Au cours de ces 23 années, combien d'enfants a-t-il kidnappé? Homme, c'est chaud, monsieur le président. Je retire la question. Au cours de ces 23 années, combien d'enfants a-t-il agressé sexuellement? Homme, c'est chaud, votre honneur. Je n'ai plus de questions. Vous pouvez retourner à votre place, madame. Séance. Nous appelons l'officier Abdouba à la barre. Veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît. Abdouba, officier de police. Merci, monsieur Ba. C'était présent lors des meurtres de Nyohan Ndiaye et Ngor Ndiaye. Oui, monsieur. Si vous vous en souvenez, veuillez expliquer à l'intention du jury dans quelles circonstances vous avez été blessé. Je crois que des bâtons rebondis du sol m'ont démoli le genou. Et votre jambe, où en est-elle? Le docteur me l'a coupé, monsieur. Et depuis l'affaire de votre jambe, êtes-vous toujours capable d'être officier de police? Oui, monsieur. Oui, je suis encore capable d'exercer plusieurs fonctions. Avez-vous eu le temps de voir où vous attirez dessus? Non, monsieur. C'est après que M. Sambo est venu en personne me dire qu'il s'en voulait de m'avoir tiré dessus. Oh! M. Sambo a donc admis vous avoir tiré dessus? Oui, monsieur. Pas d'autres questions, votre père. La défense. Merci, monsieur le président. Monsieur Bar, croyez-vous que M. Babacar Sambo vous a intentionnellement tiré dessus? Non, monsieur. C'était un accident. Un accident? Oui, monsieur. Croyez-vous qu'il doit être puni pour l'avoir fait? Non, monsieur. Non, je ne lui en veux absolument pas. Je voulais faire la même chose. Qu'entendez-vous par là, monsieur Ba? En fait, je ne lui blâme pas d'avoir fait ça. Ces deux types avaient violé sa petite fille. Objection! Je regrette, mais l'opinion de ce témoin, si cette affaire ne nous regarde pas. Monsieur le juge, il me semble que monsieur Ba a gagné un droit. Le droit de parler aujourd'hui. Objection rejetée. Merci, monsieur le président. Continuez, monsieur Ba. En fait, j'ai aussi une fillette à la maison. Et si on mentionne la viole, je l'exploserai pour M. Sam va exploser ses deux titres. Oh, c'est chaud, c'est espagnol! Que le jury doit punir M. Sam? Non, ignorez cette question, vous ne répondez pas. C'est un héros ce type, alors libérez-le! Silence! Recommencez une seule fois, les effets évacués à la salle. Monsieur le procureur, vous pouvez commencer. Merci, monsieur le président. Vous pouvez retourner à votre place, monsieur. À présent, j'appelle l'experte Madame Félicia Agnès John à la barre. Veuillez décliner votre identité à l'intention du jury, s'il vous plaît. Je me nomme Dr. Félicia Agnès John, doyenne de psychiatrie à l'Université du Mississippi et directrice du dispensaire de Nobos, une maison d'arrêt pour criminels déséquilibrés. Merci, docteur. Vos références parlent les mêmes. Veuillez nous expliquer, s'il vous plaît,
comme vous le faites, mais notamment dans votre livre, la règle de Madame donne à l'intention du jeune. Certainement. Depuis l'avènement de cette règle, si une personne n'arrive pas à différencier le bien du mal, ou n'a pas conscience d'éventuelles conséquences de ses actes, on peut la qualifier de désastreuse. Et vous avez examiné M. Barbara? Oui, M. Sambe et moi avons évoqué son enfance, sa famille et ses expériences dans les zones de l'élection présidentielle de 2020. Et le viol de sa fille d'amour? Oui, nous avons longuement parlé du viol de chat de sa fille d'amour. Quel est votre diagnostic concernant l'état mental de M. Sambe le jour où il a abattu Nyohon Yai et Ngol Yai? Lorsqu'il commettait ses meurtres, son mental était dépourvu de tout symptôme, quel qu'il soit, M. Sambe avait tout sa tête. Oh, une petite sauteur. La défense dit le contraire. En effet, madame l'avocate de la défense ne parle aucun effort pour prouver à ce jury que M. Sambe était, comment dire, désaxé. Vous n'êtes pas assez d'avis? Bien sûr que non. M. Sambe savait pertinemment ce qu'il faisait. Il a massacré ces deux hommes de sang. Ce sera à vous, docteur. Je n'ai plus de questions, monsieur le président. La réponse. Merci, monsieur le président. Docteur, pour qui travaillez-vous? État du Sénégal. Durant vos 11 années de travail pour l'État, combien de fois avez-vous témoigné dans les cas recourant à ce système de défense? J'en suis à mon 50e procès. 50 procès? Oui. Et parmi ces 50 procès, combien de fois avez-vous certifié que les accusés paraissaient désaxés? Objection! Voyons! Ce cher docteur a témoigné si souvent qu'on ne peut lui demander de se souvenir de chaque cas. C'est absurde. Objection rejetée. Je ne m'en souviens plus. Est-ce la raison pour laquelle vous vous en souvenez plus? C'est que durant ces 50 procès et 11 années de travail pour l'État, vous dites n'avoir eu affaire qu'avec des hommes qui avaient toute leur tête? Je ne m'en souviens plus, je le sais. Vous souvenez-vous du jugement d'Yapasapo en 2010? Objection! Je regrette, mais cela n'a rien à voir de l'affaire en cours. Objection rejetée. Reprenons. Vous souvenez-vous avoir été expert dans l'affaire d'Yapasapo? Col double meurtre extrêmement brutal où vous avez certifié que l'accusé avait toute sa tête? Bien sûr. L'autre cigale était d'un avis différent. Et M. Sapo fut jugé, désaxé et aussitôt interné. Où est-il, docteur? À l'hôpital de Robos. Et qui est la directrice de cet hôpital? Moi, bien évidemment. En effet, le docteur John est chef de psychiatrie à Robos. J'aimerais expliquer cela au jury. En 2010, vous avez certifié que M. Sapo avait toute sa tête. Le jury s'est alors opposé à vous. Et M. Sapo fut jugé non coupable pour maladie mentale. Depuis ce jour, il est devenu un de vos patients. Et vous le soignez pour schizophrénie à tendance paranoïaque. Est-ce exact? Oui. Est-ce que vous admettez beaucoup de patients en traitement, en soins intensifs, alors que vous les trouvez totalement sains d'esprit? Bien sûr que non. Alors qu'il me paraît clair que pour vous, docteur, les malades ne seraient plus malades au moment de passer en jugement. Objection, cela a raison de la visite. J'en ai fini, monsieur le président. La réponse, d'appeler votre premier témoin. Docteur, pouvez-vous nous expliquer l'effet que le viol de sa fille a eu sur monsieur Sand? Ça lui a fait perdre son métier, alors qu'il faut contemporainement de la réponse. Mais tout à l'heure, une certaine doyenne du Mississippi a témoigné que l'acte réfléchi de M. Sambe était la preuve de sa santé mentale. Mais c'est ridicule. Il est connu que les plus célèbres qui le prennent sont capitulateurs. Alors, dans quelle situation M. Sambe a-t-il commis ses meurtres? M. Sambe a subi une sorte de récurrence de maladie dissociative, résultant du traumatisme occasionné par le bien de sa fille. Comme M. Sambe était inconscient de la réalité de la situation, il ne pouvait distinguer le bien et le mal et concevoir les conséquences de ses actes et par conséquent la vie de la ne distinguant ni le bien ni le mal, il était inconscient des conséquences de ses actes. Par conséquent, légalement désaxé. Merci, docteur. J'en finis. Monsieur le procureur, le témoin est là. Ça, on en fait inhabituel. Dites-moi, docteur, avez-vous fait l'objet d'une condamnation à Jésus? Non. Quelle idée? Vous en êtes sûr? Oui. Aussi sûr que le témoignage que vous venez de faire devant ce jury? Bien sûr. Alors, j'aimerais comprendre une chose. Puisque vous êtes ce serment, assurez-moi, ainsi qu'en ce jury, que le 17 octobre 2009, aucun tribunal ne vous a condamné pour viol. Objection, nous ne sommes pas en train de juger le docteur. Je le présente, il s'agit de la crédibilité du témoin. Objection rejetée. Veuillez poursuivre, monsieur le procureur. Avez-vous été effectivement condamné cette femme à 17 octobre? Je crois vous tromper. Vous croyez? Eh bien, j'ai ici une très intéressante série de photos vous représentant la compagnie d'une mineure dans une chambre d'hôtel prise par la police de Bombay le 17 octobre 2009. Voulez-vous regarder ces photos au cas où elles vous rafraîchiraient la mémoire?
Non, rien d'étonnant. Je présente l'accusation. Pose au dossier des archives policières et judiciaires prouvant que le 17 octobre 2009, notre ami Michel Sarr a plaidé coupable pour détournement de mineurs. Je vous le demande pour la dernière fois. Vous a-t-on ou ne vous a-t-on pas condamné ce moment le 17 octobre? Je veux te tester. Ne vous avez pas oublié, Lucas, j'avais oublié le mot. Oui ou non? Oui, c'est vrai. Pas d'autres questions, s'il vous plaît. Veuillez regagner votre place, Monsieur Sarr. À présent, nous appelons l'accusé à la barre. Monsieur Sam, que ressentez-vous? Je me sentais abruti, menacé. C'était comme je pouvais sortir de mon corps, comme je me voyais. Et j'entendais continuellement ce que mon bébé me disait. J'étais appelé, tu sais, pensais que ces hommes me faisaient du mal. J'étais appelé 100 fois. 100 fois, mais tu n'es jamais venu. Merci, monsieur. Je sens, avant que vous glissiez hors de vous-même, vous regardez tu es monsieur Léon Niaï et Gol Niaï. Est-ce que saviez-vous qu'une fois emprisonné, il pourrait être libéré dans moins de 10 ans? C'est pour m'en laisser entendre. Doit-on libérer les hommes qui allaient en avant au bout de 10 ans? Doit-on libérer les hommes qui violent en avant au bout de 10 ans? Doit-on libérer les hommes qui assassinent en avant au bout de 10 ans? Mais dans ce cas, que devrait faire la justice? Objection! Croyez-vous qu'il méritait de mourir? Allez-y, répondez-moi! Non, je vous ai entendu le répondre! Oui, il méritait de mourir. Il méritait de pourrir en plus. Je n'ai plus la moindre question. Veuillez regagner votre place, monsieur Sam. Ma présidente, vous pouvez commencer vos plaidoiries. Est-ce que Babacar Sam a perdu la raison? C'est une notion aussi extravagante que le seul témoin que la défense a pu produire pour l'été n'était qu'un infâme. Non. Cet homme n'est pas rendu l'actif. C'est un être humain qui vous a avoué être un meurtrier. C'est là un homme qui a admis devant vous avoir exécuté la sentence qui supposait que le violeur présumé de sa fille méritait. Pendant la justice, sans être un juge, c'est dûment ce juge et de ses propres mains qu'il a osé ôter la vie à deux autres êtres humains. Nous sommes terriblement navrés pour sa fille. Mais le fait d'être un enfant est révolté. On ne nous a jamais procuré le pouvoir de tuer. Mesdames et messieurs les jurés, votre devoir est certain. Tous ceux qui sont dans ce tribunal le savent, mes camarades le savent aussi. Vous devez trouver le courage de dire ces mots. Babacar Sam est coupable et doit être condamné. J'en ai fini, monsieur le président. J'ai longuement préparé une grande plaidoirie, pleine de fondements juridiques. Mais je ne m'en servirai pas. À la place, je vous ferai mes excuses. Je suis jeune. Inexpérimenté. Et vous auriez tort de tenir M. Babacar Sam pour responsable de mon manque de pratique. Parce qu'en disputant tous ces jours sur la toile, on perd de vue une chose. Cette chose, c'est la vérité. Et le plus important, c'est que la vérité ne soit pas une abstraction, mais qu'on aille la traquer, qu'on la vive, qu'on la voit. Mon maître m'a appris ça. Tenez le docteur Sarr, par exemple. Et si je vous dis que jamais je n'aurais fait témoigner ou condamner, j'espère que vous voudrez me croire. Si je vous disais autre chose, que la femme qu'on accusait d'avoir violée n'avait que 17 ans, et que lui, il en avait 23, et qu'elle est devenue sa femme depuis 35 ans, et qu'ils ont les enfants ensemble. Où est la vérité? Est-ce un menteur sans honneur? Est-ce qu'on l'accuserait encore d'avoir menti? Ou est-ce que ça cherche tout? Avec quoi cherchons-nous la vérité? Avec notre esprit ou avec notre cœur? Nous avons le devoir divin de chercher en nous la vérité. Ni avec le regard, ni avec un esprit où la peur et la haine transforment la différence en préjugés, mais avec notre cœur, notre seule main.
je vais vous conter une histoire. Fermez les yeux quelques instants. Le temps que je vous conte cette histoire. Faites-le, je vous prie. Et vous aussi, faites un enfant. C'est l'histoire d'une petite fille revenant à la maison après avoir fait les courses sous un soleil écrasant. Soudain, une camionnette arrive et deux hommes l'attaquent au voile. Ils la traînent dans un champ près de la route. Et là, ils l'attachent. Ils mettent en pièce ses vêtements. Maintenant, ils la montent. Tour à tour, ils la violent. Ils ravagent son innocence, sa pureté et de leur plaisir bestial. Puant la bière et la sueur. Après cela, après avoir détruit son utérus, anéanti ses chances d'avoir un jour des enfants, il décide de la prendre pour cible. Il lui lance des canettes de bière pleines sur le corps. Il lance si fort qu'elle avait parfois les plaies ouvertes jusqu'à l'os. Après, il lui urine dessus. Et vont la pendre. Il trouve un arbre, attache la corde. Imaginez le nœud coulant qui la prise d'air et le cauchemar de la secousse. Regardez-la. Le corps brisé, violé, broyé, meurtri, souillé par la urine, souillé par le sperme. Laissé pour mort, baignant dans son sang. Regardez-la. J'aimerais que vous puissiez voir cette petite fille. Il n'avait que 10 ans. Et imaginez qu'elle soit votre petite fille. J'en ai fini, monsieur le président. À présent, mesdames, mesdemoiselles, les jurés, vous pouvez vous concerter. Non coupable.